Forcément, mon projet, il est impossible. Il est impossible parce que faire du vélo au quotidien, c'est presque pas concevable. Et encore moins dans une ville dont on connaît la topographie. Ce sont des plateaux et des vallées qui surprennent les gens qui pensent trouver en Bretagne des topographies planes. Mais je sais que c'est possible. Bah, je pense à mon enfance, parce que c'était un chemin que je pratiquais à l'enfance. C'était, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on descend dans la vallée. J'ai jamais entendu personne depuis se dire avec ses enfants, tiens, on descend dans la vallée. Alors qu'en fait, c'est un terrain extraordinaire. On peut y accéder de plein d'endroits, et ça c'est assez génial dans la vallée. C'est qu'on peut arriver par le quartier de Balzac, on peut arriver par la rue de Guédic, on peut arriver aussi par les hauts du quartier Saint-Michel, par Renan, par différents escaliers. Et c'est en connexion très intime avec le cœur de ville, c'est tout près. Maintenant, on m'appelle Véloman. On me connaît comme Yves, mais certains me connaissent aussi comme Véloman. C'est une espèce de mini super-héros que j'essaye d'être au quotidien, hein, parce que je veux montrer qu'il y a des choses qui sont possibles différemment, donc bah, il faut le prouver, quoi. Quand je vais récupérer en coup de vent mon fils à l'école, il faut absolument qu'il mette son cartable dans la boîte, qu'il monte sur la boîte et que je le pousse jusqu'à la maison qui est juste à côté de l'école. Il fait un petit signe de la main aux copains, histoire que de bien vérifier que les copains ont vu qu'il était sur la boîte. Salut Bertrand, je te dépose des galettes sur le marbre. Bonne journée! Il me faut un truc pointu pour. Ouais. Un t-shirt, du coup, il faut compter une petite centaine d'euros. Ok. Salut! Ça va? Très bien. Et toi? Ça va, ça roule. Je suis juste à mettre ton manque. Ah, super. Salut. Merci. Salut. Regarde. Est-ce que tu pourrais nous enlever le bassin de Touran? Ouais, pas de problème. Oh, bah, je le fais tout de suite.
suis là. C'est une ville qui adore la nourriture. Et c'est vrai qu'on prend souvent le temps de manger à Saint-Brieuc. Un certain nombre de chefs de très belle renommée. Si ça devait tenir qu'à moi, moi je m'asserrais jamais. Je m'asserrais jamais pour manger. C'est un lieu qui a un an. Il s'avère être un lieu extraordinaire pour l'association. Il y a des gens qui se remettent à faire du vélo parce qu'ils sont en mesure maintenant de s'occuper de leur vélo. Ils trouvaient exactement ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire de l'outillage, du conseil, de la convivialité. Plus on se voit, plus on a envie de faire des choses. Donc il y a plein de projets qui émergent. C'est extra aussi dans cet assaut, c'est que c'est des gens qui vivent la ville. Ça, c'est vraiment un point fort. C'est des gens qui sont dans la ville, qui vivent la ville au quotidien. Puis un jour abominable, j'étais habillé tout en tenue de pluie, et donc je pousse la porte de Briconnette, le patron qui est Maxime Redouté, là, qui sort de son bureau, et qui me dit « Qu'est-ce que vous faites? Vous avez fait de la plongée ?» Et donc je lui explique un peu les prestations que je proposais. Je pense que j'étais positif dans ma démarche, mais j'avais dû essuyer quelques entretiens pas top avant, et tout de suite il allait voir ce secrétaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, la collaboration a démarré. Il m'a dit, on commence demain. Ouais, ok, c'est parti, on y va, quoi. Donc ça, c'est extra, ça, c'est des rencontres super, parce que c'est typiquement ce genre d'enthousiasme qui fait que le lendemain, tu redémarres et que tu te dis, des rencontres comme ça, j'en aurai plein d'autres, mais il faut aller les chercher.